En 2012, j'ai rencontré pas mal de galères avec le sucre. A l'époque, j'essayais de perdre du gras, de me muscler et d'améliorer ma forme physique générale, ce qui est malheureusement très difficile quand on consomme du sucre en trop grande quantité durant la journée. J'ai donc essayé de réduire considérablement ma consommation de sucre, mais cela n'a pas été facile. En fait, j'avais même du mal à passer une journée complète sans sucre. J'avais vraiment besoin de manger mes deux carrés de chocolat noir le soir devant la télé, qui se transformait rapidement en une demi-tablette difficile de s'arrêter. À cause de ça, c'était presque impossible pour moi de tenir une bonne alimentation sur le long terme et d'atteindre mes objectifs, en particulier sur ce qui concerne la perte de masse grasse. Alors le sucre, il a cette vilaine manie d'augmenter considérablement la production d'insuline, ce qui empêche l'organisme de puiser dans les graisses, mais comme ce n'était que le soir, ça ne posait pas vraiment de gros problèmes d'un point de vue global. Après tout, pendant la journée, je faisais attention à ce que je mangeais. Et mon insuline était sans doute modérément basse la plupart du temps, à part le soir évidemment. Non, le vrai problème, c'est qu'une demi-tablette de chocolat au lait avec des amandes, c'est au moins 400 calories. Donc une grosse partie des efforts que je faisais la journée pour diminuer mon apport en calories et augmenter ma dépense énergétique était complètement annihilée par le chocolat. C'était un énorme frein à mes résultats et à cause de ça, on se sent très vite coupable de ne pas être tout simplement capable de dire stop. Et puis un jour, j'ai lu dans un article la notion de schéma. Tout au long de la journée, on a tous des schémas d'action qui nous amènent toujours au même résultat. L'un de mes schémas à moi, c'était repas du soir, canapé et chocolat. Et c'était comme ça la plupart des soirs. Ce schéma, au fil du temps, il se renforce. En particulier lorsqu'il y a la dimension sucre dans l'équation. Car le sucre provoque des pics de dopamine, l'hormone du plaisir, et cela crée une sorte de circuit de récompense. Alors oui, on pourrait très bien tenter un passage en force et tout simplement ne pas acheter de chocolat. Mais ça pose un problème puisque le schéma, lui, est toujours là repas du soir, canapé et euh, pas de chocolat. Très souvent, en faisant ça, on ressent quand même le besoin de manger quelque chose d'autre. Quelque chose qui provoquera aussi un pic de dopamine. Quelque chose de sucré. Il va donc falloir remplacer le chocolat par autre chose. Effectivement, des solutions existent pour remplacer des aliments riches en sucre par d'autres plus sains. Mais est-ce que ce ne serait pas plus simple de ne plus avoir besoin de ces aliments-là du tout Sans avoir besoin de le substituer à autre chose qui finira par devenir addictif lui aussi. La solution la plus simple, c'est de casser le schéma. Et ce, définitivement. Je me rappelle qu'à l'époque, il y a eu un soir qui ne s'est pas déroulé comme les autres soirs. En réalité, après le repas, j'ai mes parents qui ont débarqué à la maison pour se faire payer un café, tu vois. Du coup, on a bu un café et on a discuté pendant euh, pas mal de temps. Quand ils sont partis sur les coups de 10h, 10h30 euh, du soir, j'ai directement été à la douche et puis je suis allé me coucher. Et en me levant le lendemain matin, je me suis dit, hé hey, au fait, j'ai pas mangé de chocolat hier soir et... Tout s'est bien passé. En réalité, j'avais tout simplement cassé le schéma qui m'amenait tout le temps à manger un truc sucré. Mais ce n'est pas parce qu'on le casse une fois que le tour est joué. Notre cerveau est intelligent. Lorsqu'une habitude est ancrée, difficile de s'en débarrasser d'un claquement de doigts. Il faut persévérer au moins quelques jours pour commencer à renverser la tendance et adopter des comportements différents. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pendant les 15 jours qui ont suivi, j'ai fait l'effort de créer un nouveau schéma. Rien de bien sexy en réalité. J'ai simplement changé les activités que je faisais après mon repas du soir. J'ai commencé par ajouter 10 minutes de marche après avoir mangé, de façon à ne pas tomber dans le canapé directement. Juste après, j'allais à la douche. Ensuite, je lisais pendant 10 à 15 minutes avec une tisane de grand-mère. Et ensuite, je regardais mes séries préférées du moment. Ça devait être Vikings ou Game of Thrones. Mais euh, surtout pas sur mon canapé. Souviens-toi, canapé égale chocolat. C'était plutôt sur mon ordi, euh, allongé sur mon lit. Bon, tu me diras que c'était pas la meilleure routine avant d'aller s'endormir. Mais ça a fait le café en ce qui concerne mon problème de chocolat. Briser le schéma. Et ce qui est le plus fantastique dans toute cette histoire, c'est qu'après ça, je n'ai plus jamais acheté de chocolat. Et ça va bientôt faire plus de 10 ans. Plus de 10 ans sans chocolat, hein qui l'eût cru Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai enfin réussi à véritablement être capable de tenir mes objectifs alimentaires sur la journée. Je n'avais plus ces 400 calories de sucre au quotidien qui venaient polluer mon corps comme une décharge publique, et ça m'a permis de commencer à faire des progrès en termes de réduction de ma masse graisseuse. En clair, pour la première fois, j'étais vraiment en état de déficit de calories, et ça m'a permis d'enclencher la fonte graisseuse pendant des semaines. Donc le truc pour se débarrasser du sucre au quotidien, c'est avant tout de repérer les schémas qui te conduisent à en manger. Ça peut être au travail, ou parce que tout simplement, tu passes tout le temps devant la même boulangerie. Il y a autant de possibilités que d'individus. Il peut même y avoir plusieurs schémas durant la journée, et d'ailleurs, ce ne sont pas forcément des schémas liés au sucre. Il existe aussi plein de schémas qui nous empêchent de faire tout un tas de choses, comme par exemple aller au sport, faire la cuisine, ou démarrer un projet important pour nous. J'ai aussi conscience que le problème que j'avais avec le sucre à l'époque, et en particulier le chocolat, est loin d'être aussi problématique que ça peut l'être pour d'autres personnes. Des personnes qui, peut-être comme toi, qui regardent cette vidéo, ont besoin de leur dose de sucre à chaque repas et dans chacun de leurs cafés, si tu vois ce que je veux dire. Si c'est le cas, alors ne cherche pas à courir après tous les chats à la fois. Oublie les diètes, les calculs de calories et tout le tintouin. Focalise-toi uniquement sur ce qui tourne autour du sucre dans un premier temps et essaye de l'éliminer au maximum en changeant progressivement tes schémas. Ça permet déjà de bien débroussailler le terrain et de pouvoir commencer plus tard ta perte de poids dans de bien meilleures conditions. L'addiction au sucre, c'est aussi un sujet assez large, alors j'y reviendrai dans de très prochaines vidéos pour traiter chaque sujet séparément. Pas de panique. Ce que j'espère, c'est que mon histoire d'aujourd'hui t'aura inspiré, qu'elle t'a aussi donné des éléments pour comprendre d'où vient le problème, et commencer à pouvoir le gérer plus facilement. Beaucoup de réponses se trouvent souvent dans nos habitudes. Je t'encourage à découvrir mon programme de perte de poids rapide, dans lequel je te montre ma méthode la plus efficace pour éliminer les graisses sans avoir l'impression de faire un régime, et retrouver le contrôle sur ton alimentation. C'est disponible en cliquant. Sur le petit bouton qui s'affiche juste ici, ou en allant dans la description de cette vidéo et en cliquant sur le premier lien. Pense à t'abonner, c'était Romain. Merci d'avoir passé ces quelques minutes sur ma chaîne Roms Physique. Bye. En 2012, j'ai rencontré pas mal de galères avec le sucre.